Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour un nouvel épisode sur Motorsport Manager. Donc on a une nouvelle offre disponible pour nos sponsors. Donc on va regarder qui veut se mettre sur la voiture. Donc c'est BBS, marque de pneus, qui nous donne un bonus de 100 000 pour 4 courses. Donc ça nous fait un peu des pépettes, c'est plutôt cool. Ils sont venus mettre leur sponsor ici et sur les ailes, pourquoi pas. Et on verra pour changer la couleur de la voiture plus tard. Pour la saison 2, on changera la couleur de la voiture. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Bao fête son anniversaire. Et ben on lui fait. Ah, on organise une fête, mais oui. Ça lui fera du bien. Après, même si c'est notre pilote, c'est pas le pilote titulaire, mais c'est pas grave. C'est toujours bien. On a encore une nouvelle offre de sponsor. Alors, on a Kingfisher, Siemens et EMC2. Qu'est-ce qu'il nous propose? On va prendre Kingfisher, hein. Finir cinquième, ah non. Ouais, finalement, on va prendre celle-là, parce que même si... Je pense que c'est pas mal de faire ça. Ils ont collé leur sponsor. Où, eux? Ah oui, sur les flancs, d'accord. Mais du coup, est-ce qu'on n'aura pas... Un moyen de faire une nouvelle pièce moteur avec tous ces sous, hein? Du coup, vitesse max. Alors qu'il y a une épreuve à Rio de GP2. Et pour l'instant, en tout cas, on court un risque, puisqu'on est, on est largement en dessous des objectifs du patron. Donc il reste 9 jours d'amélioration de performance. Alors qu'est-ce qu'on en a un message? Docu télé. Un de nos directeurs ici chez Central Sport adorerait filmer un documentaire. Non, on va pas accepter le pognon. Il faut qu'on ait une bonne relation avec nos mécanos. Faut qu'ils assurent le cours sur notre voiture. Donc on va pas les emmerder. Et on a une épreuve au Canada. De F1 avec un doublé Mercedes. Alors, deux messages. L'entourage de Lao cause des perturbations. Les rapports internes au QG1 suggèrent que l'entourage de Hong Liao, star du championnat A1, cause des problèmes au centre de l'atelier conception. Alors, conception moteur terminée. Donc, on va l'assembler, on va la mettre sur. Ah, celui-là est plus entamé en tout cas. On va lui mettre un nouveau moteur.
qui est plus puissant mais qui est moins fiable. Bon, on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on va sélectionner? On va faire. Est-ce qu'on peut en prendre plusieurs? Ah non, on peut en prendre qu'un. On va essayer. Au Portugal. On va voir ce qu'on peut faire, espérant qu'on arrive à avoir une meilleure performance que sur le dernier GP, parce que c'était quand même pas terrible. Alors, Vamos pour les essais libres. Le temps feedback est pourri de chez pourri, donc. Ok, allez, on est parti. Participer aux essais libres et on va les faire sortir tous les deux. Pour avoir directement des impressions. Bon, Yao, il a un moteur neuf. Ce qui explique peut-être que Chou, avec ses moteurs, même s'il a les pneus soft, n'arrive pas à revenir dessus. Maniabilité parfaite, bon ça c'est cool, déjà c'est une bonne chose. Maintenant on n'a pas de retour de Chou, alors je sais pas ce que ça va donner. Suspension parfaitement réglée. Bon, ça c'est cool. On n'a pas moyen d'avoir ces réglages, j'ai vu. Vas-y, donne tes réglages.
Voilà, j'ai moins de trucs à régler. Ouais, mauvaise, mais on sait pas ce qu'il veut en fait. Je crois qu'il disait qu'il voulait un peu moins d'appui. Faire ressortir avec les pneus soft. Allez, go. Lui, alors par contre, il dit que c'est très mauvais. Lui convient pas du tout. Alors, il y avait un peu plus d'accélération. On va essayer ce combo-là. Allez, réglage des voitures. Alors, on y va en attaque, hein. J'espère que ça va être bien. Ouais, chou est dernier. Alors, voyons voir ce qu'il va nous faire. Il va bientôt lancer sa voiture. Allez, c'est parti, il lance le chrono. Bon, il améliore déjà son premier secteur. Il a pas si mal. Par contre, le deuxième est bien moins bon. Oui, au final, ça n'a pas forcément arrangé les choses. C'est quand même le quatrième temps, hein, Chou, qu'il a fait là. Et là où il dit quoi? J'adore la maniabilité géniale. Alors, attention quand il va franchir la ligne, parce que ça va donner. Ça donnait qu'il est plus dernier, mais c'est pas pour autant que c'est miraculeux comme réglage. Parce qu'on est 19e quoi quand même. Bon, on a Chou qui va rentrer dans les stands. Il reste 30 secondes dans la séance, on n'a pas le temps de repartir. Je savais pas gagner de vitesse sur la ligne droite, peut-être qu'il y a trop d'aéro sur la voiture. Par contre, la déportance, il a pas l'air d'être content. Hein. Ouais, pareil pour lui. Hein.
faut jouer avec ce problème de déportance. Bon, on va faire finir cette séance là. Allez les gars. Voilà, la séance est terminée. On va pouvoir faire quelques petits ajustements. On va essayer en tout cas avant la course. Espérons que ça puisse porter ses fruits. En tout cas, on est à plus de 2 secondes du leader. C'est énorme. Toujours rigolo de regarder les messages des fanboys. On va rester sur ce carrelage là. Voilà pour lui. Et on part avec des. On va partir avec des softs, ouais. Et puis le plein. Et lui, qui a pas l'air non plus d'être content de ses réglages. On va lui en enlever de la déportance. On va rester sur cette maniabilité là en espérant que bah, ça aide. Et on part avec des softs aussi et le plein. Et on va attaquer voilà Dardar hein, pour le départ. On est pas là pour rigoler. Allez, c'est parti, le départ est donné où là? Attention derrière, c'est très très bien élancé. Attention les deux coéquipiers, on va pas faire de bêtises. On va pas taper dans l'essence, mais pas trop dans la voiture. On se fait des pauses un petit peu là, attention. Hein. Pas perdre trop de place les gars. C'est chaud entre pour la troisième place. Et 25 est toujours là aux avant-postes. On va encore devoir aller titiller. Il va récupérer sa place. Mais pas très rapide hein, dans les courbes en tout cas. Alors attention, faites pas les contres les deux.
Ils sont mis au ravitaillement, ça sent bien vite. Et on pourra récupérer des places maintenant. Ça va rentrer au stand, pas de panique. On peut aller chercher le. Oh là là. J'allais dire, on pourrait aller chercher encore le pilote qui était devant. On est obligé de passer un peu en mode attaque. Et là, le quatrième, ça m'a l'air d'être compliqué d'aller le chercher en tout cas. Ça jouerait sur la longévité. Ce qu'on voit devant, le pilote de la voiture qui est à la quatrième place est avec des pneus soft. Il a déjà bien tapé dans son capital pneu. Donc on va le laisser se fatiguer tout seul. Ce qui devrait nous faire nous permettre de remonter un petit peu dans la hiérarchie. Sachant qu'on est à la mi-course. Allez, commence à avoir les pneus fatigués. Qu'est-ce que nous a fait Choum? Il avait réussi à passer Marchetta et finalement. Marchetta, elle a peut-être passé en mode de gestion des pneus, parce que on a rattrapé sa consommation de pneus. Est-ce qu'on a encore une chance de figurer dans les points? Je sais pas, on va voir qui c'est qui va s'arrêter à l'attaquer. Marchetta rentre dans les stands. Ça, c'est une info.
Il va falloir faire rentrer Liao pour lui mettre des pneus soft, sachant qu'il reste 4 tours, hein, ça peut jouer. Mais il y a le moteur qui commence à tirer la gueule. On va être obligé de réparer parce que sinon ça va être compliqué à la fin. J'ai bien envie de pas la réparer cette pièce, mais c'est trop dangereux. Assez énervant hein, quand tu vois que les voitures en plus elles tournent pas si mal que ça. Voilà, bien joué au niveau de la stratégie. Ça c'est très bien vu. Et toi c'est pareil, tu vas rentrer au stand pour passer des softs, de remettre de l'essence pour aller jusqu'au bout. On va mettre ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. L'usure c'est bon. On va observer ce qui se passe pour Liao dans les stands. Allez, tout le monde s'affaire autour de la voiture. Les réparations qui ont lieu. Ça rentre un peu de partout dans les stands, donc ça c'est bien, c'est une bonne chose. Allez, la réparation est faite, on va pouvoir repartir. On repart quand même 12e. On aura perdu pas mal de place hein, dans l'histoire. Hein. Et maintenant, mon copain, va falloir tabasser. Alors, notre pilote de tête qui est actuellement aux prises avec Dreyfus et El Sada. Il rentre dans les stands, il est troisième pour l'instant. Allez, le ravitaillement qui prend du temps, mais ça va, ça se passe. Les pneus, c'est bon, on repart. On est quatrième. Allez, on y va là, on n'est pas là pour déconner. Allez, pour bien faire, faut qu'il y ait des petits arrêts au stand là qui tombent. Quatrième, il y a déjà des pneus qui sont bien entamés. Le deuxième, hein, des pneus, ouais, il est au stand, donc c'est bien. Ah, il y a trois pilotes au stand. Allez, on attaque, Chou, on attaque. Sachant que le deuxième, il a des pneus qui sont plus entamés que les tiens. Attention derrière, hein, El Sada derrière qui arrive comme un grand malade. Il va falloir doubler là. Eh oui, les pneus fondent, mais c'est pas grave, allez, tu attaques. Là aussi, il y a les pneus qui sont en train de se désintégrer. Il reste 3 tours. Allez, c'est pas grave, tu continues. Lâche rien.
Ouais, je sais que tes pneus se partent en boule, Yao, mais il va falloir tenir jusqu'au bout. Fais ce que tu peux. Résiste à ceux qui reviennent derrière. On a les deux voitures dans les points, c'est pas le moment de se laisser aller. Il reste deux tours maintenant. Et devant, faudrait miser sur une défaillance d'un des deux pilotes. Allez, c'est pas grave. Il faut tenir. Il faut tenir, les gars. Les tours peuvent pas sembler être longs. Mais on peut faire des choses. Allez, continue. Allez, c'est le dernier tour. Dernier tour, faut tenir, les gars. Cinquième Chou, neuvième Yao. Allez, dixième, on a encore des points. Allez, il faut tenir, faut tenir, faut tenir, merde. Voilà, il n'y a plus de pneus, hein, donc forcément la voiture elle tient pas. J'aurais dû mettre des médiums pour finir. C'est de ma faute. Et regardez qui est à la troisième place. C'est Chou. Chou qui va finir la course sur le podium. On avait les deux voitures dans les points, mais voilà. On était un petit peu trop gourmand avec les pneus et. Voilà, super. Troisième place pour Chou. Et Liao qui continue sa descente aux enfers. Qui commence à avoir sérieusement des soucis avec la voiture. Ouais, c'est la dégringolade totale avec le. Avec la voiture, on est sur les jantes, hein, donc là. On finit à sec. Ouais. Mais. Il faut qu'on s'améliore, c'est certain. Mais une chose est sûre, c'est qu'en tout cas, on a réussi à faire troisième avec une des deux voitures. Et ça, c'est une très très bonne opération. Ça va faire plaisir à notre dirigeante. Alors on a des pénalités qui sont tombées, hein. Attention, rétrogradation. Donc on fait deuxième. Deuxième parce qu'il y a eu une. Ouais, ça c'est cool ça. Et donc cette deuxième place pour Nick Chu le fait monter à la 17e place. C'est cool. Après, ça nous fait marquer aussi des points au niveau du constructeur. On est revenu à quelques points de ZRT. Et après, derrière, on aura BMR, mais ils sont un peu plus loin, eux. On s'enflamme dans les réseaux sociaux. En tout cas, on a fait une belle opération sur cette course. Ça fait plaisir. Du coup, on a le sponsor qui donne du blé.
Et la présidente qui en donne aussi, donc ça nous fait un petit pactole bien sympathique. Et du coup, voilà, à l'issue de cette course, des objectifs qui sont plutôt bien atteints, on va continuer à évoluer tranquillement au sein de cette écurie. On a l'aiguille qui remonte, hein, tranquillou, donc voilà. Et ben, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Motorsport Manager. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous!